Please welcome the next skater, Guyenne Pierre La Prochaine Patineur, representing the United States of America, Camden Pulkkinen. Représentant les États-Unis d'Amérique, Camden Pulkkinen. Entraîné par Tammy Benkel, il va nous offrir une prestation sur la musique de Caruso de Josh Groban. Cuido del mare, chica, e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriere. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, from the United States of America, Camden Pulkkinen. Représentant les États-Unis d'Amérique, Camden Pulkkinen. Très belle exécution. Il nous a transporté tout au long de la musique. On sentait qu'il comprenait bien l'intensité de la trame sonore qu'il a choisie, une chorégraphie qui lui fait comme un gant. Vraiment, vraiment plaisant à regarder. Exactement, comme tu viens de le dire, la compréhension dans chacun de ses mouvements avec l'élégance et la maturité dans son habileté de patinage. C'était très bien exécuté. Ici, on voit le quadruple saut, suivi sans aucune hésitation du triple axel. La sortie de la jambe, justement, à l'atterrissage, qui avait aucune hésitation. Très belle bien corps fait. Par la suite. La combinaison triple lutz. Triple tour avec justement la satisfaction à la toute fin et le mouvement de du bras comme satisfaction. Je crois que c'était probablement son saut qui hésitait le plus, puis on voyait vraiment satisfaction de la réussite de cet élément. Camden qui est âgé de 19 ans,
Même chose pour Camden. L'année dernière, il compétitionnait sur le circuit junior, donc la transition sur le circuit senior. Et comme je l'ai mentionné pendant la période d'échauffement, Camden qui avait terminé en première position à la suite du programme court au championnat du monde junior l'année dernière. Par contre, le programme libre qui avait été un petit peu plus difficile, où il y avait eu plusieurs erreurs, plusieurs accumulations d'erreurs qui l'avaient positionné en 9e position pour le programme libre. Mais par contre, au total, avait terminé en 8e place. Camden qui vient de se faire offrir des fleurs par Keegan, tout simplement qu'un spectateur avait lancé des fleurs et n'avait pas été ramassé. Mais c'était vraiment un petit peu moment d'euphorie d'avoir Keegan qui remet des fleurs à Camden. Et Keegan qui est tellement naturel et toujours, on dirait qu'il arrive toujours un petit quelque chose comme ça à Keegan, mais vraiment naturel et... Naturellement bout en train. Oui, exactement. Donc le pointage pour Camden, 81.34, ce qui le positionne en 4e place au classement provisoire.